Avant d'acheter l'ordinateur, quel que soit le prix, on doit réfléchir à son usage. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on fera du traitement photo, du traitement d'image, de la modélisation 3D, du jeu? Toutes ces questions-là vont évidemment déterminer quel est le type d'ordinateur que l'on souhaite. Deuxième question, c'est évidemment quel type d'ordinateur? Unité centrale, ordinateur portable, tout en un. Selon le type d'ordinateur, les prix sont évidemment pas les mêmes. Les moins chers étant évidemment les unités centrales sur lesquelles il faudra rajouter un moniteur, clavier, souris. Autre conseil, les offres reconditionnées. Ce sont des produits qui sont donc vendus d'occasion, mais qui ont été entièrement remis à neuf en changeant les éléments critiques de l'ordinateur. Par exemple, pour un portable, changer la batterie. Ça vous permet d'économiser beaucoup en termes de budget, mais d'avoir des spécifications qui sont dignes de produits beaucoup plus chers.